Mes chers compatriotes, bonjour. Depuis vendredi, nous travaillons tout le chiffre qui est dans le budget. Nous avons le budget là, sur l'annexe, sur l'appendix, analyse tout le chiffre qui est dans pour nous montrer où la vérité, parce qu'il y a un gros la fumée pour tirer dans le lisier. Alors, nous commençons par guetter un coup. Qui se peut dire de nous? Combien casse les faire? Quand casse la sortie? Et au final, est-ce qu'il ou pour une situation que, comment nous dire, on emmène au bout better off ou pour mieux financièrement? Ou soit, ou pour d'une plus grande misère, d'une plus grande souffrance, et ou pour sentir ou, qui ou pas peut-être qu'elle débute la fin du mois. Nous, qui est un coup, c'est qu'ils ont de nous, comme ils font en termes de casse. Alors, nous commençons par pension vieillesse. Je augmente pension vieillesse, je veux dire, vous faites 14 000 en juillet, vous faites 15 000 en janvier 2025. Il y a beaucoup de 4 millions roupies, d'un petit moment, vous montrez où, comment nous vînons ça, c'est 4 millions là. Je veux dire, vous avez donné une égalité d'essence à la WEMS de 2000 roupies, qui vous coûte 1,2 million. Je vais vous montrer comment on arrive au chiffre là. Et après, je veux dire, en termes de income à la WEMS, child à la WEMS, school à la WEMS, je vais donner une casse qui saute dans CSG, 3,8 million, 0,2 million, 2 millions. Après, je veux dire, il donne maternité à la WEMS, comme une madame pour 15 enfants, pendant une période de 9 mois, disable à la WEMS, SON, une casse en plus qui peut donner. Internet gratuit, 18 à 25 ans, il coûte 0,3 millions, c'est-à-dire 300 millions roupies. Frais SI, HSI pour ban repeaters, il coûte à peu près 100 millions roupies. Ban prime à l'emploi pour ban madame un peu plus âgée, il coûte à peu près dans les 500 millions roupies. Et gaz ménagé qui l'in baissé, ça lui fait à peu près 200 millions, c'est-à-dire 0,2 millions. Si nous ajoutons tout ce qui l'in de nous là, il coûte 13 millions de roupies, mes chers compatriotes. 13 milliards de roupies, 13 000 millions de roupies qu'il y a pour de nous. À cette zagueté, qu'il y peut prendre en haut. Mais avant qu'il doit arriver là, nous avons ban chiffre comment nous comptabilisons ban chiffre pour comprendre bien qui ça fait coûte combien. Nous commençons avec ça, CSG, comme à la WEMS, Charles à la WEMS, School à la WEMS là. Nous pouvons trouver à l'écran 110 000 du monde qui paye tous en bas 20 000 roupies ou 1500 roupies en plus. Les bouvines 20 000 à terre, ça veut dire ça même qui m'a appelé le revenu minimal. Mais ça, 1500 roupies, mais tu fais pas 13 mois, mais tu fais pas 110 000 du monde, il va vous déployer 1 million qui ça coûter. Après, on a un du monde qui touche 20 à 25 000 roupies, et dans 55 000 du monde, dans sa paquette là, il déploie 500 roupies en plus, et ça 500 roupies là, tous les mois, mais tu fais pas 13 mois, il fait 0,4 million. Là, même vous trouvez une anomalie là. Quand vous mettez tout ça par 20 000 roupies, il gagne 1500 en plus à terre. Quand vous mettez tout ça par 25 000, il gagne 500 en plus. Quand tu veux tous en 30 000, il gagne 1 000 en plus. Quand tu veux tous en 30 et 50 000, il gagne 500 en plus. Mais comment c'est fait-il que c'est qui en 20, 25 000, il gagne 500 roupies en plus, mais c'est qui 25 000 à 30 000, il gagne 1 000 roupies en plus, ça va de même côté. Mais tout ça là, il faut coûter 3,8 milliards de roupies. Maintenant, nous vidéo Charles Allowance, 0 à 3 ans. Je veux dire, il y a 36 000 enfants qui sont en situation là. Et il gagne 500 roupies en plus. Pendant 12 mois, il fait 0,2 milliards. Et donc, 80 000 enfants entre 3 ans et 10 ans qui vous gagnent 2 000 roupies. Pendant 12 mois, il fait 2 milliards. En tout, total, il fait 2,2 milliards. Ça veut dire si vous êtes là, dans sa 13 milliards qui m'ont dit, vous êtes donné en plus là, 6 milliards, c'est à travers CSG Income Allowance, CSG Child Allowance et School Allowance. Mes chers compatriotes, ça, 6 millions au pays là, ils sont en travailleur et ils sont en employeur et ça va travailler là. Laisse-moi montrer où c'est qu'ils ont même nous ont mis dans ce budget à la page 500 qui vient montrer où clairement, quand qu'a sorti pour de nous, ça, 6 millions au pays là. Ça veut dire ça, CSD comme à la WEMS qui veut dire où de nous 1500 roupies, 500 roupies, 1000 roupies, 500 roupies et que ça charge à la WEMS de 500 roupies augmentation là, plus à nouveau 2000 roupies pour ma enfants jusqu'à 10 ans là, total c'est 6 millions et guettez votre casse là sorti, ils sautent directement depuis dans poste travailleur, dans ou poste et dans poste ou employeur. Alors comment on peut trouver à l'écran, page 500, appendix A, revenu, qui gouvernement, pas d'ailleurs, il vient montrer où, il vient montrer où, que l'argent peut sortir en termes social security contribution. Si vous regardez le chiffre total, mes chers compatriotes, c'est 13,4 milliards de roupies qui peut prendre en ou à travers contribution sociale. Et dans ça, 13,4 milliards là, vous trouvez contribution CSG
des employés du secteur public et employés du secteur privé, il fait 1 milliard 30 millions et 3 milliards. Ça veut dire, mes chers compatriotes, 4 milliards roupies peuvent sortir dans OUPOS en forme de contribution CSG. Quand il dit, vous avez donné 6 milliards là-bas, 4 milliards peuvent sortir déjà dans OUPOS. À cause de ça, tout le temps, vous trouvez que vous n'avez pas besoin de débout. Je vous dis, vous êtes content quand vous avez un casse. Mais casse, ça peut sortir dans OUPOS même. D'après ce chiffre, qui lui-même dit, 2024-2025, il vous prend 1 milliard avec ban employé du secteur public et 3 milliards avec ban employé du secteur privé. Maintenant, ban employeur de sa ban travailleur là, secteur public et secteur privé pour mettre en cours 2 milliards là-dedans, et secteur privé sur ban employeur, il pour mettre 6 milliards. 1,5% vous contribuez, 3% vous employez, contribuez. Si vous gagnez plus casse, vous contribuez 3%, vous employez, contribuez 6%. Ça même casse qui fait une tia en haut, et après vous venez de nous, la moitié de ce qu'il prend. Qui veut dire qu'ici, il prend 1 milliard, 3 milliards, 2 milliards, 6 milliards. Et Orban Self-Employed aussi, Orban Self-Employed, il prend 220 millions. Alors, quand on prend 1 milliard, 3 milliards, 2 milliards, 6 milliards, et que ça descend 20 millions là, où vous trouvez qu'il peut prendre à peu près 13 milliards de roupies en haut pour donner 6 milliards en retour. Mais qui veut dire à quel point vous prenez 13 milliards en haut et pour employer et lui donne 6 milliards, la moitié. Ça veut dire qu'il peut prendre des fois plus que ce qu'il peut donner. C'est aussi simple que ça. Si nous regardons sa slide avant là, CSG à la rente, income allowance, school allowance, child allowance, mais tout ça va nous faire là, coûte 6 millions, mais quand il prend, en termes de CSG, il me prend 13 millions. À ce temps, on comprend comment vous êtes la fumée là, obligé. Tu gardes nous des fois plus. Tu gardes nous des fois plus cette façon de parler. Parce qu'il me prend 13 millions, il me donne 6 millions. Maintenant, nous retournons les autres affaires qu'ils ont de nous, pension vieillesse et tout le reste, et nous allons que casse la sortie. Alors, je donne 13 milliards, 6 milliards, bon, fini, explique-vous. Ça, 6 milliards là, c'est ça. Ça. C'est-à-dire, CSG Income Allowance, CSG Child Allowance et School Allowance. Ça fait 6 milliards. Et ça, 6 milliards là, je ne prends 13 milliards à travers CSGAO. Je vais prendre 13 milliards à travers CSGAO pour devenir ça, 6 milliards là. Prends le double. Maintenant, nous avons retirement. Pension, invalide ou flin veuve, ils ont 310 000 bénéficiaires, 1000 roupies qui peut gagner parce qu'elle partie fait de nous 500 roupies à partir de juillet, elle partie fait de nous 500 roupies à partir de janvier 2025. Alors nous prenons un average 1000 roupies, multiplié par 13 mois, quand vous multipliez, il fait 4 milliards de roupies. De l'autre côté, égalité des chances à la WENS, ils ont 50 000 households, 50 000 familles qui vous gagnent 2000 roupies par mois. Ça, si moi pas trop comprendre, parce que d'un côté, ils ont un revenu minimal pour finir avec 20 000 roupies. Et ici, il peut dire que c'est un household qui est en bas de 20 000. Bon, pas fait dans rien, ça, il connaît ce que j'ai à faire. Mais il peut dire 50 000 pour gagner 2 000 roupies pendant 12 mois, 1,2 milliards. Après, il y a les autres à la WENS, maternity, disabled, SOM, fait 0,7 milliards. Internet gratuit, quand nous faisons le chiffre, il fait 300 millions, 0,3 milliards. Prêt CHSI, 0,1 milliards. Prime à l'emploi, 0,5 milliards. Et gaz ménager, 0,2 milliards. Ou ajoute tout, mes chers compatriotes, faire 7 milliards qui de nous. 6 milliards, on finit montrer où, saute dans CSG, casse-t-on saute dans web, au fait, il prend 13 milliards pour de nous 6. Ici, 7 milliards, en termes de d'affaires que vous pouvez trouver là, nous qu'est-ce que casse-t-on saute. Et pour cela, nous rentrons dans ce budget encore une fois, et là, à la page 498 du budget, appendix A qui montre où, revenu. Là, mes chers compatriotes, où vous trouvez exactement l'énormité de ce qui se peut faire autour. Ce qui se peut être dans l'Olivier là, c'est un affirmé extraordinaire. Get nos taxes qui gouvernement pour prendre en haut en 2024-2025. Combien de cas vous tirez en haut? Nous commençons premièrement par nous get ce qu'ils appellent income tax pour un individu. Income tax pour un individu, ce chiffre pour 2023-24, qui a stère du côté comme il était, lui fait où 13,8 milliards. 13,8 milliards, c'est une income tax qui va nous payer contribuable. L'année prochaine,
chiffre là pour 16,7 milliards. Là déjà, si vous prenez 16,7 milliards ou 13,8 milliards, vous pouvez payer taxes en plus en tant qu'individu de 3 milliards à peu près. 3 milliards vous pouvez payer en plus comme income tax. Mais ça, c'est pas tout. Plus important pour vous, mes chers compatriotes, en tant que consommateur, pris dans la boutique, vous connaissez combien vous pouvez payer en plus l'année prochaine en termes TVA? Si vous mettez une cassette là, TVA, General Tax on Goods and Services, Value Added Tax, pour l'année 2023-24, on paye 56 milliards de roupies de TVA. Ça, aucune payée. Combien vous payez l'année prochaine, 2024-25, si ça gouvernement là reste en place, ou vous payez 65,6 milliards de roupies TVA. Est-ce que vous comprenez que casse dans ou pousse. Plie, prix monté dans la boutique. Plie tout ça fait une blessure. Plie pas d'ailleurs avec ce gouvernement, gagne plus beaucoup de casse pour les autres, en forme de TVA. Alors, si nous comportons 2024, 56 milliards qui nous prend et coûts en forme de TVA et 65,6 milliards qui pour prend en août 2024-25 en forme de TVA, différence fait où 9,5 milliards de roupies. 9,5 milliards de roupies en forme de taxe TVA qui ou pour payer en plus ou pour payer en plus l'année prochaine, prix pour continuer à monter. Plus ceux qui payent income tax pour payer 3 milliards en plus l'année prochaine. 3 milliards et 9,5 milliards fait 12,5 milliards taxes que la population ou pour payer en tant que contribuable et en tant que consommateur. Ça 12,5 milliards là, en sac à cela, qui vous pouvez trouver, l'inobank pension pour 4 milliards. Et les nous tous, ça va te laisser autant la wens qui les raconter maternité, quand vous avez des enfants 9 mois, les nous tous, ça va faire SOM, plus en même temps internet gratis, les baisse prix gaz. Tout ça là coûte 7 milliards. 10 taxes qui vous prend en haut l'année prochaine, qui lui fait 12,5 milliards. Mais comment il nous 7, il prend 12,5? L'autre côté, CSG, il nous 6, il prend 13. Ça veut dire que si vous prenez en total, il met 12,5 milliards en haut en fonds de taxes, TVA et income tax. Et il prend 13 milliards en haut en termes CSG. Si vous prenez 12,5 et 13 milliards CSG et taxes qu'il va prendre ou direct ou indirect, 25 milliards en plus, vous dire bien, en plus, c'est pas la totalité, c'est en plus de cette année-ci, l'année prochaine, vous prenez 25 milliards en ou en plus. Pour de nous quoi? CSG, comme à la Wens, ou la Wens, avec Charles à la Wens, et de l'autre côté, augmentation pension vieillesse avec Internet gratis, avec maternité à la Wens, avec serviette hygiénique, avec c'est pas qu'il y avait de nous, tout ça là pour faire 13 milliards, mais ici, on peut prendre 25 milliards ou? Ben, je peux couiller nous. Je peux en bêter tout. Je ne sais plus gros la fumée dans l'olivier. Et depuis sa vie de Zélène, passé vendredi, Reform Party, nous, l'équipe, nous assisons, nous travaillons tous les jours. Ou vous trouvez mon panel local radio, ou vous trouvez mon panel même faire grand commentaire, nous travaillons d'abord, et nous, c'est le parti politique qui peut venir devant vous aujourd'hui pour montrer où, comment Banna peut coquin où, comment je peux en péter tout, comment je peux être la fumée dans l'olivier. Et comment il y a un certain Djibouna dans Maurice qui ne peut pas comprendre. Et Banna, je peux abîmer l'ignorance de sa femme Djibouna, peux abîmer la faiblesse de sa femme Djibouna, pour faire croire qu'il y a là où il y a une pension d'augmenter, à là où il y a une maternité à la WENS, à là où il y a une égalité des sens à la WENS, etc., etc. Mais tout cela, c'est juste une façon pour venir à bisous. C'est une façon que pour prendre 10 fois plus, donne 13 milliards, prend 25 milliards. Mes chers compatriotes, dans Bidze, je te montre où aussi, qui casse le poil dépensé dans l'année à venir. Ce gouvernement-là pas capable de rester du tout. Get-le l'écran pour finir de comprendre qui fait. Lui montrer où ce ban estimé pour 2024-25, pour 2025-26, 2026-27.
Ou connaît combien de taxes li pou pran en ou l'oban goods and services, l'oban produit. Si ou get sa sifla ou gen souk, sifla c'est 134 milliards, mes chers compatriotes. Tax on goods and services, qui pas d'Ayati, et Pravin Jagnat, et ce gouvernement, si je t'encore resté, je pou pran en ou en 2026-27, je même je ne mette je tif. 134 milliards, 199 millions de roupies, c'est en millions, 134 199 millions de roupies qui je peux prendre en où? Dans deux noukas, je peux finir où? Je peux finir la média aux enfants. Au moins, ça bout là où vous allez comprendre. Dans Bidze, ça l'année là, je même je ne mettais. En 2022-23, tax on goods and services, je te prends en où? 84 milliards. 2026-27, si je te reste au pouvoir, je te prends 134 milliards. En l'espace de 3 ans, 4 ans, un gouvernement prend 50 milliards roupies taxes, les goods and services. Ça, c'est Riffon Parti qui veut vite dire à la fibre de l'Olivier. Mes chers compatriotes, nous ne travaillons pour vous, nous pas dans le Parlement, nous pas Nelly, nous extra-parlementaires. Riffon Parti, tout ce même candidat, entier Maurice, pour tapou la porte pour demander nos votes. Nous, nous pouvons dire où, qui nous peut faire ça 80 réformes là. Quand vous pouvez ça 80 réformes là, vous trouvez une vision pour l'île Maurice. Où vous trouvez comment donner ça qu'un ce sens. Où vous trouvez comment mettre un lot dans des autres là. Où vous trouvez comment nous faire l'avenir CDS. Où vous trouvez comment nous amener prospérité pour les peuples. Ça 80 réformes là, c'est ce qui nous paye bizarre pour ça, nouveau l'île Maurice là. Mais tout ça va nous l'affirmer qu'ils ont dit dans l'Olivier là. Que ce soit le gouvernement de Jagnat, que ce soit Navin Rangoulam, tous les DP Kouyoudou. D'ailleurs, Navin Rangoulam, il vient de dire, ben, il copie ce mesier, il met dans Bidze, et qu'il dit, si tu peux faire pareil avec ce matin, et qu'il livre avec lui, tu peux pas bien du monde, la réunion, tout. Et puis, si vous donnez un internet gratis, tout ça, la vie ici. Alors, tout ça, ben, du monde là, je peux mettre la fumée dans l'Olivier, je peux en bêter tout.